Eh bien, yo tout le monde, c'est le Kick du 29. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Star Conflict. Hein. Donc un jeu, il me semble que je vous en avais parlé lors d'un de mes lives, mais bon, le jeu ramait à énormément. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une... Putain. Ah, excusez-moi. On va faire une vidéo dessus, comment... un peu plus explicatif. Ce sera plus évident pour comme ça devrait moins laguer, je pense. Donc du coup voilà, donc là par contre je me filme pas parce que j'ai une tête de 6 pieds de long, etc. J'ai vraiment pas une bonne tête parce que je viens de passer mon après-midi à ranger mon cabanon, le cabanon de jardin chez moi, donc j'ai pas vraiment la tête à être filmé, donc c'est pour ça. Donc on va tout de suite partir en combat. Donc pour Star Conflict, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeu de vaisseau dans lequel on va débloquer au fur et à mesure. Attendez, on va débloquer au fur et à mesure du temps qu'on va passer sur le jeu différents types de vaisseaux de rangs différents. Donc au début on commence avec des vaisseaux genre le Lynx, du style du Lynx par exemple, ou enfin là du Hercule. Voilà, attendez. Donc, c'est des tout petits vaisseaux vraiment pas puissants. Bon là par contre je les repeins, à l'arrache. Hein. Des petits vaisseaux sympas, très puissants, et au fur et à mesure qu'on va débloquer, en fait on va pouvoir débloquer plein de vaisseaux. Comme vous pouvez constater, il y a plein de vaisseaux qu'on peut débloquer, et pour débloquer des nouveaux vaisseaux il faut augmenter ce qu'on appelle la synergie du vaisseau précédent. En gros c'est le niveau du vaisseau. Par exemple là, par exemple pour ce vaisseau là il est rang 5, donc j'ai pu débloquer le Dverg et le Harpy ainsi que le Hercule Rage. Voilà, ça m'a permis de débloquer plusieurs vaisseaux. En fait, chaque vaisseau ici a une certaine demande. Par exemple, là ici, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour débloquer le Dwarf 2, il faut qu'avec le neutron, j'atteigne niveau de synergie 6 pour pouvoir le débloquer, puis ensuite l'acheter. Voilà. Par exemple, ici, j'ai pu débloquer celui-là. Mais par exemple, il me faut 550 000 pour pouvoir l'acheter. Donc voilà, donc c'est des vaisseaux comme ça, en fait on les débloque comme ça. Donc t'as trois, on a trois trois groupes. Il y a donc l'Empire, la Fédération et Jericho. Et au fur et à mesure en fait on débloque des vaisseaux en fonction de son avancement dans la dans la faction où on est. Sachant que si on débloque des rangs supérieurs dans une autre faction, ça va pas débloquer les rangs dans les factions dans les autres quoi. Enfin bref. Du coup voilà, donc après, donc là je fais une petite partie vite fait pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. Ah, excusez-moi deux secondes. Attendez. Excusez-moi. Je vérifie quand même que ça a bien repris. Attendez, hop. Ouais, c'est bon, ça a bien repris. Nickel. Donc, je disais, excusez-moi. Hop, donc voilà. Donc, on va commencer une petite partie vite fait. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi ressemble le jeu en lui-même. Donc, c'est un jeu ça, avec des vaisseaux qu'on peut améliorer, qu'on peut modifier son arme, on peut modifier les différents modules qu'ils ont. Donc, c'est un jeu quand même assez complet, qui est plutôt pas mal. Donc, au fur et à mesure qu'on va débloquer des vaisseaux, on débloque évidemment des vaisseaux de plus ou moins puissants. Donc... On va commencer, donc dès que ça aura fini de charger, évidemment, une partie. Donc c'est un jeu qui est gratuit, c'est en ligne gratuit sur Steam. Et bah nickel. Donc là, là c'est parfait parce que c'est une mission en trois étapes que vous allez voir. Donc je vais commencer par le Katana AE, je pense que je vais prendre. Donc c'est un vaisseau rang 8 de chez Jericho. C'est un chasseur moyen, on va dire. Chasseur Talker, on va dire que c'est un chasseur moyen. Parce qu'il y a des chasseurs vraiment légers aussi, qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus rapides. Donc voilà, donc là c'est un chasseur plutôt moyen. Donc en dessous, vous voyez ici, il y a différents trucs. Là c'est l'arme, là c'est les missiles, là c'est le module spécial. Et là c'est les différents modules que j'ai rajoutés sur le vaisseau. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc c'est les vaisseaux. Donc on a comment... Donc on contrôle le vaisseau avec la souris. Puis il y a la touche avancée, reculer... monter, descendre, tourner et faire des tonneaux, déplacement latéral, etc. Quand on vise une personne, vous voyez qu'il y a un petit curseur blanc qui s'affiche. C'est l'endroit où il faut tirer pour pouvoir toucher le vaisseau ennemi. Voilà.
Donc il faut qu'il soit blanc pour qu'on ait une chance de pouvoir le toucher. À droite, au milieu de l'écran, vous avez à droite la les deux jauges, une bleue et une jaune. La bleue, c'est la barre de bouclier de son vaisseau. Donc avant d'atteindre que votre vaisseau s'endommage, donc il y aura des boucliers à détruire. Et la barre jaune, donc c'est la barre de vie de votre vaisseau. Ensuite, vous avez à gauche, toujours au même niveau, une barre bleue et une barre jaune. Donc la barre bleue, c'est la vitesse actuelle de votre vaisseau. Et la barre blanche, c'est la barre d'énergie. L'énergie qui se recharge assez régulièrement et qui est utile également, c'est avec cette barre d'énergie qu'on va qui va nous servir pour la post-combustion. Je vais vous montrer ça. Allez, donc là vous allez voir, vous avez toujours remarqué que j'ai arrêté de tirer parce qu'au niveau de mon curseur, il y a une jauge qui augmente au fur et à mesure. C'est la jauge de surchauffe des armes. Quand elle est jaune foncé, vous ne pouvez plus tirer, vos armes sont trop chaudes, faut attendre qu'elles refroidissent. Donc voilà, hop. Donc là, cette mission là, dont j'explique, c'est une mission où on doit capturer. Première étape, c'est de capturer différentes stations. Et ensuite, donc il y aura une autre étape, faudra détruire des grosses tourelles qu'on va apercevoir tout de suite tout à l'heure. Hop, tac. Donc là, par exemple, je suis en surchauffe, je peux attendre avant de pouvoir retirer. Voilà. Ensuite, tac. Donc vous voyez à côté de moi un autre vaisseau. C'est un vaisseau que j'ai aussi. Donc je vais le prendre tout de suite après. Donc voilà. Donc là par contre, c'est la post-combustion que j'ai. Donc vous voyez que mon vaisseau va beaucoup plus vite. Mais si vous regardez, la barre de blanche diminue légèrement. En fait ça consomme de l'énergie de mon vaisseau, mais mon vaisseau en fait recharge rapidement son énergie, donc au final je peux limite utiliser la post-combustion tout le temps. Mais ça c'est parce que je l'ai un peu amélioré, le vaisseau. Donc voilà, hop, donc ça c'est pour la barre d'énergie. Ensuite vous allez avoir, bon je vais vous expliquer pour les autres vaisseaux parce que là là je vais utiliser un de mes modules. Voilà, l'un de mes modules c'est faire apparaître la drone sentinelle qui est ici. C'est un drone en fait qui va tirer sur les ennemis qu'il a autour de lui, donc qui tourne autour de lui. En fait il tire automatiquement, donc c'est un drone stationnaire. Mais vous allez voir sur un autre vaisseau que j'ai, celui que j'utilise après, j'ai des drones d'attaque qui eux vont prendre pour cible la cible qu'on aura verrouillée. Vous allez voir. Donc là on est bientôt fini de capturer les trois stations. Hop, j'envoie un petit missile qui n'a servi à rien. Donc voilà, donc là on a fini les stations. Maintenant je vais prendre l'Anaconda, notre vaisseau. Donc ce vaisseau là c'est un... Merde, par contre je me suis trompé de... J'ai pas mis les bonnes armes dessus, fait chier. C'est pas grave. Donc il a des faisceaux laser, donc je vais tirer des lasers en continu pendant un certain temps. Et les modules de... Enfin le module secondaire c'est des drones d'attaque, j'en ai deux. Voilà. Le module spécial de ce vaisseau là, c'est d'avoir deux drones qui tournent autour du vaisseau, qui vont réparer la coque. Quand elle est en dessous de le bouclier, quand elle est en dessous de 50%. S'il est au-dessus de 50%, elles vont attaquer des ennemis. Regardez, vous voyez, j'ai deux drones qui me tournent autour. Donc, tant que mon bouclier est supérieur à 50%, ils vont attaquer les ennemis. Donc, là, je dois détruire, les grosses tourelles. Hop. Sachant que les petites font quand même pas mal de dégâts. Donc, là, ah, voilà. Mais là, j'utilise un de mes modules qui va régénérer plus rapidement mon bouclier. Parce que là, ces putains de tourelles font extrêmement mal. Alors, vous allez pouvoir constater aussi que les gros vaisseaux sont plus lents. Évidemment, ils sont plus lourds, ils sont plus lents à manœuvrer. Hop, tac, là j'ai une tourelle ici. Mais leurs armes font quand même un peu plus de dégâts. Voilà. Tac, donc là je vais réutiliser mon module de bouclier histoire de le régénérer plus vite. Par contre je recule, là c'est pas bon. C'est pas ce que je voulais faire. Et là je vais utiliser un de mes modules spéciaux. Donc c'est un drone d'attaque. Vous allez le constater. J'ai un drone d'attaque qui vient de spawner. Donc il va attaquer la cible que j'ai verrouillée. Et je vais bientôt pouvoir en sortir un deuxième. Et j'aurai mon total de drones maximum que je pourrais utiliser pour ce vaisseau là. Voilà, hop. Et là je sors le deuxième drone d'attaque. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de tirer sur le calibre majeur qui est l'objectif de la mission en cours.
Et comment... Donc on doit les détruire. Tac. Donc là, hop, je me mets un peu à l'abri histoire de pas me retrouver piégé par les autres tourelles qui vont me tirer dessus. Donc là, j'ai surchauffé. Donc par contre, là, je me suis trop... Là, j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'avais changé les armes de ce vaisseau-là pour des armes comme ça, mais en fait, ces armes-là sont pas si puissantes que ça. Il y a des armes beaucoup plus puissantes que vous verrez dans le dernier vaisseau que je vais prendre, qui sera pour la phase suivante. Tac. Donc là, hop, bon, c'est un peu chiant, je reconnais pour l'instant, mais voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, il y a une autre tourelle ici qui me fait mal. Tac, voilà. Il y a un autre calibre majeur. Donc il y a 4 calibres majeurs à détruire. Donc là, on en a déjà détruit 3 parce qu'il y en a 2 en dessous et les autres gars ont détruit les deux autres calibres majeurs. Et je crois que j'ai perdu un de mes drones. Alors là, je me fais tirer dessus par je ne sais quoi. Des missiles, ça c'est garanti. Hop. Donc voilà. Donc là, hop, vous voyez, là, le vaisseau qui est au-dessus de moi a un autre style d'arme qui est beaucoup plus bourrine, mais qui fait pas mal de dégâts. Donc là, j'ai utilisé un autre module qui va régénérer ma vie. Voilà. Donc là, on a fini la deuxième phase. Et maintenant, je vais prendre le dernier vaisseau qui est un vaisseau de chez Jericho. Celui que j'avais avant, c'était un vaisseau de chez comment la Fédération, si je m'abuse. Ah, c'est de la Fédération, voilà. Alors lui, il a donc des colt mortars en armes et une arme qui est générateur d'anomalie, qui peut tirer 3 fois, mais qui fait énormément de dégâts. Et son module spécial qui est ici, ça veut dire que je modifie mon bouclier en fonction des tirs que je subis. Donc ça modifie le type de bouclier. Donc voilà. Donc voici donc l'autre vaisseau. Donc ouais, là j'ai dans mon hangar j'ai sélectionné un vaisseau rapide et deux vaisseaux plus lents. Mais après on fait chacun son style. Hein, Donc voilà. Et là regardez, donc si j'utilise mon module spécial, par exemple pour mon module, mon arme secondaire, voilà, elle fait beaucoup de dégâts, mais il faut pas que je bouge du tout quand je l'utilise. Enfin je peux avancer pour avancer, reculer je crois. Mais il faut pas que je tourne à droite, à gauche, ce genre de choses là. Donc là, pour cette phase là, nous avons donc 3 tourelles lance-missiles à détruire. Et comment... Il faut donc les détruire pour pouvoir remporter la mission. Et là, je me fais un peu défoncer le bouclier, donc je vais booster un petit peu. Donc sur ce vaisseau-là, j'ai pas de module de comment... de régénération de bouclier rapide, comme sur l'autre. J'ai pas, il n'est pas débloquable pour ce vaisseau-là. Il faut le fabriquer, c'est compliqué. Donc voilà, hop, aïe. Ah, par contre, ça c'est chiant, ces putains de tourelle lance-missile, elle est chiante. Quand elle t'a pris pour cible, bah, parfait, nickel. Donc ça c'est les autres, elle va prendre pour cible les autres. Nickel. Parce que comme vous pouvez voir, en fait, quand... Putain, mais ils m'ont pas pris pour cible, c'est quoi ce délire? Et c'est... Il est extrêmement chiant parce que vous voyez, on n'y voit absolument rien et ça bousille les boucliers. Oh putain. Donc là, hop, et voilà. Tac, ça j'ai détruit celui-là. Donc là, celle-là va être bientôt être libre. Aussi, quand on utilise les modules, ça attaque notre énergie aussi. Hein. On a besoin d'énergie pour utiliser les modules aussi. Ah putain, j'ai surchauffé. Ah merde, c'est pas moi qui ai le dernier cul. Même avec le dernier coup, j'ai fait surchauffer mes armes, c'était pas bon. Alors cette tourelle là, il me semble qu'elle a plus beaucoup de vie. Et une fois qu'on aura détruit celle-là, on aura gagné cette mission. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, on a gagné. Donc ça c'était une des missions de la machin du jeu. Donc à chaque fin de mission ou de partie en PVP, on a différents trucs à récupérer. Donc là, par exemple, comme c'était ma première fois de la journée que je fais ça, j'ai aussi un truc violet. C'est un comment?
C'est une extraction infaillible, donc je suis sûr d'obtenir quelque chose d'intéressant. Donc ça par contre je regarde ça comme ça. Et là par contre après c'est du hasard. Donc là j'ai 4 essais au total. Il m'en reste plus qu'un. Hop, et voilà. Donc là on obtient différentes ressources qui peuvent nous être utiles pour la suite dans différents d'autres trucs. Tac 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 tac. Voilà. Hop. Ça m'en fout de ça. Voilà. Donc voilà. Alors, je vous ai pas dit aussi, le module spécial de ce jeu-là, c'est de pouvoir se rendre dedans. Ce sera plus simple que si je vous le montre. Regardez. Donc là, en fait, avec le petit vaisseau, j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Vous allez voir. Son module spécial est assez sympa. Hop, voilà. Donc là, par exemple, là, je suis sorti de la station. Donc ça, c'est que quand vous avez atteint le rang 7, je crois. C'est-à-dire, si vous avez débloqué un vaisseau du rang 7 dans n'importe quel côté du conflit. Donc voilà. Donc du coup, la particularité de ce vaisseau-là, c'est ben ça. Attendez. Si tu veux bien. Ah non, c'est ça. Voilà. C'est de se rendre invisible. Donc quand vous êtes invisible, donc les ennemis ne vous remarquent pas. Mais dès que vous tirez, lancez un missile ou percutez quelque chose, vous vous sortez du cloak, hein, regardez. Parce que là par exemple, là il me reste 3 secondes encore, enfin une seconde là. Et voilà. Donc il y a un temps donné au niveau du cloak, ça c'est garanti. Mais vous allez voir après, donc je vais ressortir le cloak quand il sera rechargé. Donc vous voyez au milieu, en bas sur ma barre, sur la barre où il y a tout était représenté, un temps de recharge. Hop. Voilà. Et là je réutilise le machin et là je peux réutiliser. Et par exemple si je tire avec, vous voyez, je sors du cloak. Je tire ou n'importe quoi, ou je rentre en contact avec un truc, etc. Je crois que je sors du cloak aussi. Voilà, donc ça c'était pour ça. Donc voilà un petit peu le jeu. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une autre mission. Non, je pense pas vu ce temps qu'il reste. Si je veux faire un truc à peu près potable. Et oula, les coups de freeze. Donc voilà. Donc là par exemple, je peux vous montrer un petit peu différents vaisseaux qu'il peut y avoir. Donc là c'est l'Empire. Donc il y a tout ce type de vaisseaux. Alors la particularité de leur vaisseau lourd, c'est d'avoir des désintégrateurs. En gros c'est un sniper en fait. Par exemple, attendez, je peux vous montrer avec ce vaisseau là. En fait leur particularité, donc voilà, en fait c'est d'avoir un sniper. Qui est quand même assez efficace. Mais bon. Donc vous voyez que tous les vaisseaux ont un design assez spécifique. Chaque vaisseau a été designé quand même un petit peu. Donc à chaque fois, tu as plusieurs vaisseaux qui ont à peu près le même design de base, mais les couleurs vont changer, certaines caractéristiques vont changer, etc. Et donc du coup, comme je disais, donc ce vaisseau-là, donc le module spécial, c'est ceci, un sniper. Donc qui est quand même assez efficace. Hop, voilà, je peux pas vous montrer pour l'instant, mais hop, j'ai lancé un missile sans le vouloir. Hop, et voilà. Donc par exemple là ce que je vais faire, c'est je vais aller là-bas. Donc c'est en fait là c'est un portail de téléportation pour aller dans un autre secteur, et je vais vous montrer un peu ce que fait le sniper. Donc, parce qu'il y a des ennemis dans cette zone là alors qu'ici il n'y a pas d'ennemis, donc on peut pas faire de dégâts. J'étais pris pour cible, ok, je sais pas pourquoi, mais bon. Hop, voilà. Tac tac tac. Tac, donc je saute. Donc si vous voulez après que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires hein, si vous le trouvez intéressant, si vous voulez en apprendre un peu plus. Tiens, regardez là par exemple, je dois détruire. J'ai un objectif dans cet endroit là. Je dois détruire le transporteur cyber. Bah là par exemple, je vais essayer d'utiliser le sniper. Je sais pas si j'aurai assez de distance. Ouais, non, je suis trop loin. Hop, le transporteur. Attendez, on s'approche un petit peu. Ah voilà, là c'est bon. Et là vous allez voir, boum, vous voyez que ça fait pas mal de dégâts. Et je me fais attaquer évidemment. Encore un coup, il faut que je résiste encore un coup au moins. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Là je me fais attaquer par des putains d'éclaireurs.
Des vaisseaux qui sont assez, des vaisseaux aliens mais sont assez puissants. Bon là je vais mourir hein, parce que j'ai fait j'ai pas cherché à. Mais ceux-là en plus sont extrêmement puissants donc voilà. Je retourne au hangar, donc j'ai réussi une mission secondaire, c'est pas grave. Donc voilà, donc là ça c'est bon pour je pense que je vais pas tarder à, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était Star Conflict. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu, hein, faut pas hésiter. Et puis bah moi je vais vous dire à plus les gens. Et bien salut tout le monde, c'était le Geek 9 pour vous.